donné de monter encore avec lui, de monter encore avec lui, et que Dieu fasse de toi celui qu'il veut, que tu sois celui qui verra toujours la volonté de Dieu pour te pousser. Tu vas demander à ce que Dieu puisse te conduire et te faire monter encore plus haut, et que tu sois là où il veut, que tu puisses marcher avec lui, agir avec lui, parce que Dieu t'écoute. Élève ta voix. Père, je prie notre Dieu, Papa, pour que tu ramènes notre Dieu, Papa, dans les hauteurs, Seigneur, que tu m'amènes dans les hauteurs, car je ne veux pas, Père éternel, vivre notre Dieu comme un animal céleste, terrestre, mais je veux plutôt être notre Dieu là-haut, toi, où tu me vois. Car quand toi tu es élevé, tu nous attires vers toi. Que je monte notre Dieu dans la hauteur, que ma foi monte notre Dieu, que ma vie de prière monte, que tout en moi monte, Seigneur. Que je sois notre Dieu Père, dans les airs, dans la hauteur. Voir notre Dieu comme Père éternel un aigle. Que je monte plus haut avec toi. Que je monte plus haut avec toi. Parce que tu es le seul notre Dieu capable de le faire, notre Dieu. Que ma vie ne soit pas notre Dieu au même endroit. Que je puisse, Père éternel, monter avec toi en puissance. Monter avec toi dans mes actions. Monter avec toi dans ma foi. Monter avec toi dans l'espérance. Monter avec toi, notre Dieu. Monter avec toi, Jésus. Monter avec toi parce que tu es le véritable Dieu. Fais-moi monter, notre Dieu, parce que tu es le véritable Dieu. Fais-moi monter, notre Dieu, parce que tu es mon rocher. Fais-moi monter parce que tu es le roi. Que je sois, notre Dieu, dans ta présence. Fais-moi monter, notre Dieu, là où tu veux que je sois. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi dans ma vie.
le maître qui contrôlera toutes les choses, que tu te manifestes, que tu agisses, que tu accomplisses ta grandeur. Je veux mon Dieu, Père, le René, qui est dans ma vie, qu'il y ait moins de moi, plus de toi, que toi tu sois mon Dieu, Dieu vu dans mes actes, dans mes paroles, dans tout ce que j'ai posé, notre Dieu, comme action. Que toi tu sois vu, oh Jésus, que toi tu sois vu en moi, plus de toi, moins de moi, Seigneur, de toi. Que toi tu apparaisses dans ma vie, que les gens ne me voient pas, notre Dieu, mais qui te voient toi, faisant ta volonté, marchant mon Dieu là où toi tu veux, marchant comme tu veux. On ne voit pas notre Dieu ma vie, on ne voit toi Jésus, parce que moi je suis caché en toi. Toi tu es en moi, Seigneur, qui règne, notre Dieu, qui manifeste ta puissance. Moins de moi, plus de toi, moins de moi, plus de ma volonté, plus de toi. Volonté, c'est de toi, que toi tu puisses régner. Que ma volonté, mon Dieu, soit soumise à la tienne. Que mes actes soient soumis à la tienne. Mais que toi tu puisses me retenir, accomplir ta volonté, notre Dieu. Moins de moi, plus de toi. Moins de moi, plus de toi, notre Dieu. Dans ma façon de descendre, moins de moi, plus de toi. Que toi tu sois vu, notre Dieu. Que je puisse bannir tout ce qui est de la chair. Que je puisse me revêtir, notre Dieu, de ce qui est de l'esprit. Que j'expérimente les grandes choses avec toi. Parce que tu es le plus puissant. Moins de moi, notre Dieu. Plus de toi. Que je ne sois pas seul, je prends des décisions. Mais que toi tu puisses prendre des décisions dans ma vie. Mais que moi je ne sois pas celui qui va exécuter. Notre Dieu, ce qui est ta volonté. Moins de moi, plus de toi. Moins de moi, plus de toi. Moins de moi, plus de toi, parce que je crois que tu es capable de me changer. Moins de moi, plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Je t'élève ce soir.
élève, Seigneur, l'âme de Dieu, et qui vivra éternellement en sa gloire. Je t'élève, Jésus. Je t'élève parce que tu es puissant. Je t'élève parce que tu es puissant. Je t'élève parce que tu es grand. Je t'élève parce que tu es grand. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Sois notre Dieu de cœur. Sois notre Seigneur. Celle qui accomplit, il est bien fait. Je t'élève parce que tu es si bon. Je t'élève parce que tu es bon. Je t'élève parce que tu es bon. Je t'élève parce que tu es bon. Ton règne dure à toujours, Seigneur. Ton trône est éternel, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu ne connais pas de fin, Seigneur Jésus. Tu ne connais pas de commencement et la fin. Tu ne connais pas de création, Seigneur. Seigneur, il est incomparable à toi. Il est comparable à toi. Toi, tu ne perds jamais de combat. Tu es le véritable Dieu. Le Seigneur, merveilleux. Merveilleux. Toi qui es mon Seigneur, toi qui es Jésus. Dans nos projets, Dieu réel. Les dieux véritables, la lumière qui fuit dans les ténèbres, toi qui es lumière, nom de Dieu, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, assis à la droite des cieux, de toute chose, toi le comparable de Dieu, l'avocat parfait, toi qui as compris tes bienfaits, qui agit dans les yeux au-delà des cieux, nous t'élèves donc, parce qu'il est comparable de Dieu, merveilleux, sa puissance, sois élevé, le Dieu tout-puissant, l'homme potent, l'omniscient, l'homme présent, toi qui as mis la nasse dans ce. Les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, toi qui as mis un mot, la chose accomplie, toi qui es le dernier, mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais, parce que tu es le roi, nous t'élèvons ce soir, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons le roi, nous t'élèvons l'âme scarabée Dieu, nous t'élèvons le Seigneur, nous t'élèvons, parce que tu es bon, parce que tu es digne, toi qui n'as jamais changé, toi le véritable Dieu, toi qui es le premier aujourd'hui, éternellement, toi qui as fait dans l'existence, tu es le dernier, je ne sais pas, quand tu les vois, Seigneur, tu ne les vois à jamais, il n'y a point de Dieu qui soit sans la de toi, l'éternel, sois élevé, mon nom, parce que tu es digne, sois le véritable Dieu, sois élevé, mon 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 Dieu, sois élevé, Tu es le Dieu tu es le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons ce soir, nous dans nos vies. Sois encore élevé, Seigneur, élevé, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons parce que tu es le roi. Nous ne trouvons rien, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Aucun autre règne, Seigneur, dans nos vies. Nous ne voulons que le tien. Nous ne voulons que le tien, Seigneur Jésus. Rien que le tien, Seigneur. Toi qui es le comparable de Dieu. Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Il combattra. Sois ton nom, Jésus. Pour nous. Combattra pour nous, Jésus. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous.
Tu es le Dieu véritable. C'est lui qui combat à ta place. Quand tu seras confronté à des combats que toi tu ne pourras pas, lui sera là. Les combats qui te laissent, ce sont des combats que tu es capable, toi, de vaincre. Mais tout ce qui te dépasse, lui les prend. Il est celui qui combat ta place. C'est pourquoi il pouvait dire aux enfants d'Israël, gardez silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il combat pour toi. Tu vas élever Jésus, la victoire. Tu vas dire, Jésus, je sais que tu as vaincu à la croix. Et je sais que tu combats pour moi. Je n'ai plus crainte. Je n'ai plus la peur. Je crois que tu as vaincu sur la croix pour moi. Et c'est pourquoi je t'élève. Élève-le. Le Dieu qui a vaincu pour toi. Tu es celui qui combat à ma place, Jésus. Tu es celui qui combat pour mon frère. Tu es celui qui combat pour ma soeur. Tu es celui qui combat pour cette assemblée. Tu es celui qui combat notre Dieu afin de nous donner des victoires. Père, il y a des batailles, Père éternel, que nous ne livrons pas. Que toi tu livres notre Dieu, mais tu ne nous donnes que des victoires. Quand nous sommes, Père éternel, attaqués, nous ne savons pas comment toi tu t'y prends. Mais tu le fais en sorte que nous ne sommes que des vainqueurs. Car la victoire, c'est toi qui l'as remportée. Tu es monté à la croix pour qu'aujourd'hui, moi, je sois sauvé. Tu as combattu pour moi. Tu as combattu contre mes adversaires. Tu as combattu contre ceux qui en voulaient à ma vie. Chaque fois, notre Dieu, les combats auxquels je suis exposé, Père, c'est toi qui les prends. C'est toi qui livres les batailles pour moi. C'est toi qui les fais pour moi. Je t'élève parce que tu es bon. Parce que je sais, notre Dieu, même quand je suis attaqué, je n'ai pas peur. Car toi, tu es là parce que tu combats. Tu combats, notre Dieu. Là où les gens cherchent à me faire tomber, là où les gens cherchent à ce que je puisse chuter, là où les gens veulent voir ma disparition, toi tu es là pour combattre pour moi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te bénir? Parce que tu es le véritable Dieu. Toi l'incomparable Seigneur. Toi le roi tout puissant. C'est lui qui manifeste ta volonté dans nos vies et qui accomplit sa grâce. Tu combats notre Dieu à ma place. Tu ne me laisses pas me battre avec les gens qui sont plus forts que moi. Parce que toi tu es là, le plus puissant, le plus puissant. Personne ne peut te vaincre. Quand tu t'élèves Jésus, personne ne te fera asseoir. Quand tu as décidé, personne ne peut te refuser cela. Tu es celui qui combat pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au mon nom. Jéhovah, tu es le Dieu.
Celui qui sent dans son esprit de pouvoir élever sa voix, qu'il élève sa voix. Si tu sens dans ton esprit que tu peux élever la voix pour adorer Jésus, adore-le. Seigneur, merci éternel Dieu pour tout ce que tu as fait ces derniers temps, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, Papa, pendant que beaucoup m'ont abandonné, beaucoup m'ont tourné les dos, mais toi tu étais là, tu as toujours été là, tu as toujours été l'alpha et l'oméga, tu m'as toujours aidé, Seigneur, tu as toujours envoyé, Seigneur, des personnes pour me soutenir, tu as toujours envoyé des personnes pour m'accompagner dans ces temps difficiles, Seigneur, même quand je pensais que j'étais déjà morte, éternel Dieu, Papa, dans ce lit d'hôpital, tu es venu, Seigneur, tu m'as secouru, éternel Dieu, Papa, j'ai décidé de t'offrir ma vie en sacrifice, car maintenant je n'ai plus rien à perdre, je n'ai que toi, Seigneur, parce que personne ne peut faire ce que tu fais, personne ne peut déplacer les montagnes comme toi, yes. Personne ne peut atteindre les sommets comme toi, Jésus, yes. Tu m'as enlevé, Seigneur Jésus-Christ, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, et tu m'as positionné. Alléluia. Tu m'as relevé, Seigneur, là où je pensais ne plus pouvoir marcher, là où je pensais ne plus pouvoir parler, là où je pensais ne plus pouvoir me tenir debout, Seigneur, tu as permis que je puisse encore une fois te remercier, tu as permis que je puisse encore une fois élever ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Alléluia, merci pour alléluia. Ce que tu es. Car personne n'est comme toi, Jésus. Personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut déplacer les montagnes comme toi. Tu as terrassé les géants qui étaient sur ma vie. Tu as terrassé les ancêtres qui étaient sur ma vie. Tu as terrassé les démons qui étaient sur ma vie. Tu as enlevé les obstacles. Tu as enlevé les rochers. Oh Jésus, tu as fait taire les vents. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, éternel Dieu, Papa, pour ce que tu as fait. Sois glorifié pour le souffle de vie que tu m'accordes encore, Seigneur, car c'est une grâce. Beaucoup n'ont pas pu avoir cet âge, mais tu as permis que je puisse arriver à cet âge. Tu as permis que je puisse, éternel Dieu, Papa, encore une fois, Seigneur, être en vie. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, car ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce. Merci pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme moi. Oui, Jésus, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Personne n'est comme toi. Chante avec nous. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, tu es saint. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Entendre cette parole de ce soir avec mes propres oreilles et que Dieu prépare ton cœur à ce que ton cœur soit une terre fertile
capable de recevoir et de reproduire. Que Dieu te prépare à écouter sa pensée de ce soir et qu'il dispose, qu'il te dispose. Élève ta voix. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Ta parole me dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu nous as amené entrer dans ta présence parce que tu veux que nous puissions t'écouter. Père, j'ai prié notre Dieu pour que ce soir que tu puisses nous parler. Que ta parole, notre Dieu, vienne en nous, Père éternel, comme une semence. Et laisse à ce que nos cœurs soient préparés pour que nous puissions, notre Dieu, recevoir cette parole. Et que celle-ci, notre Dieu, puisse, Père éternel, amener le changement en nous, puisse nous donner une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, pour que nous puissions expérimenter ce qui vient de toi. Que nos oreilles spirituelles soient attentives, pour que nous puissions entendre notre Dieu, écouter ce que tu nous dis, et pouvoir faire les choses, parce que toi, tu es notre Dieu. Père, nous te prions, te rendons grâce. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Parle-nous, notre Dieu, pendant ces temps. Parle, notre Dieu, car ton peuple écoute. Et nous voulons expérimenter ta grâce. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très, très, très fort. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. C'est lui qui est toujours présent et qui accomplit toujours des grandes choses dans nos vies. Parce que tu as envie, c'est pourquoi tu acclames. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 16? Nous allons lire le verset 32 et 33. Jean chapitre 13. Jean 16, 32, 33. Je vais lire au nom de Jésus si nous avons trouvé. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Dieu est tellement bon et tellement grand. Vous savez, quand nous sommes dans sa présence et que c'est le moment où nous devons l'adorer, l'élever, l'exalter, faisons comme si chacun de nous, nous étions en train de le faire personnellement. Quand toi tu vas louer Dieu, tu vas élever Dieu, moi je vais louer et élever Dieu. Tout ce que nous allons faire ensemble va provoquer la joie de Dieu. Et cela va amener la gloire de Dieu de descendre. J'aimerais seulement nous rassurer une chose. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, seconde, tierce que nous donnons à Dieu n'est pas perdu. Des fois, quand tu viens à l'église, tu as tendance à croire que non, il n'y a rien qui s'est passé. Laissez-moi vous dire, moi je sens la présence de Dieu. Il est là. Et il agit. Ne viens pas à l'église comme si c'était une habitude. Mais dis-toi qu'à chaque fois que je m'approche de Dieu, quelque chose certainement se passe. Jésus était avec ses disciples. Il leur parlait. Si vous allez vous monter plus loin, il va dire au verset 21 du même chapitre 16.
Donc je vais même monter au chapitre 20. Jusqu'au chapitre. Pardon. Le verset 20, pardon, du chapitre 16. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, écoutez ce que Jésus va dire. Lorsque la femme enfante éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Moi, je ne suis pas une femme. Je sais que les femmes, quand vous avez accouché, vous savez ce que vous avez enduré. Mais imaginez quand ce bébé est sorti. Quelle joie tu avais! Parce que lors de la grossesse, il se passe beaucoup de choses. Mais une fois qu'on a accouché, on oublie tout. Ça, c'est les choses que Dieu a mis en nous pour que nous puissions comprendre. Tu peux avoir la peine dans ce que tu fais, comment tu vis. Mais Dieu veut simplement te rassurer une chose. Comme la Bible dit, vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Pendant que tu pleures, pendant que tu te poses des questions, les gens autour de toi, qui peut-être ne connaissent pas ton Dieu, sont contents. Ah tu vois, lui qui se dit chrétien, tu vois, elle qui se dit chrétienne, tu vois. Les gens se réjouissent de notre malheur. Ce que j'aime en Jésus, c'est que il nous dit d'avance ce que nous devons souffrir. Il nous dit d'avance ce que nous devons traverser. Dieu bénit Abraham. Il dit, je t'ai béni et je bénirai ta postérité. Mais plus loin, il va lui dire, ta descendance sera captive dans un pays. Mais alors que Dieu lui avait donné cette descendance comme une bénédiction, c'était une promesse. Au lieu de voir le bonheur de cela, Dieu va lui dire d'abord que cette descendance sera captive dans un pays. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et vous allez remarquer que Christ va nous rappeler pour dire, vous pleurerez, vous vous lamenterez à cause des situations que vous vivez. Et comme il continue à leur parler, il va continuer à leur dire ceci. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous reverrez. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. C'est pour leur dire, quelle que soit la situation que vous allez traverser, ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez vivre. Les disciples n'étaient pas prêts de voir le Seigneur partir. C'était une grande souffrance. Une personne avec qui vous avez été habitué, qui vous a fait énormément du bien, qui doit partir. C'était dur. Mais il leur dit, je vous reverrai. Et personne n'enlèvera votre joie. Donc le jour où vous rencontrez, vous me reverrez encore, vous aurez une joie immense. Ce que Dieu veut que tu gardes, c'est que Dieu veut te donner un sourire. Dieu veut t'amener dans une autre étape de ta vie. Vous savez, quand la grossesse commence, il y a des petits soucis. À un moment donné, ça se calme. Mais avant l'accouchement, ce qu'on appelle les contractions, c'est dur. Moi, je ne peux pas dire comment ça se passe, mais quand je voyais,
je me disais certainement il y a un problème là. Mais quand les enfants sont là, on est dans la joie. Mon thème de ce soir, la promesse des triomphes principales et finales, pardon. La promesse des triomphes finales. Chaque situation que nous voyons a un début et une fin. Tout ce que l'on peut vivre sur terre a un début et une fin. Si aujourd'hui je pleure, tu pleures, demain tu seras fou de joie et tu riras comme pas possible. Si aujourd'hui tu es inquiet, Dieu fera en sorte que demain tu vives avec assurance. Alléluia. La promesse des triomphes finales. Vous savez, nous sommes dans un combat sur terre. Aussi longtemps que nous serons sur la terre. Si quelqu'un te dit non, vous serez en paix, il ment. La paix, nous ne l'aurons pas parce que les gens, oh non, mission, je ne sais pas moi quoi, de l'ONU, on dit l'Organisation des Nations Unies. Ils ont une mission dans un pays quelconque pour aller établir la paix. Je vous dis que ce n'est pas la paix qu'ils établissent. C'est le semblant de paix. Il n'existe de paix nulle part qu'en Christ. La paix n'existe qu'en Jésus. Le monde ne peut pas nous donner la paix. Donc nous sommes continuellement dans les combats. J'étais en train de réfléchir aujourd'hui. Ton salaire passe à la banque. On te paye. Hein? Ton salaire rentre dans ton compte. Mais comment se fait-il que la banque doit m'imposer de comment je dois utiliser mon argent? Quand tu parles de découvert, je suis encore d'accord parce que c'est leur argent. Mais mon argent à moi, pour le sortir, il faut des autorisations. Il faut demander, non, je vais sortir tel montant. D'ailleurs, aujourd'hui, pour traverser une frontière avec de l'argent, tu dois avoir 4 999. Donc, dès que c'est 5 000, tu ne peux pas traverser avec. Est-ce que ça, c'est la paix? Tu es limité, c'est-à-dire l'argent qu'on a payé là-bas, c'est ton argent. Tu vas voir ton conseiller ou ta conseillère qui te dit, non, tu vois, avec ta situation là, tu ne peux pas retirer, par exemple, 500 euros par semaine. Mais c'est mon argent. Donc la paix dans le monde, tu ne l'auras pas. C'est pour dire que nous sommes continuellement dans un combat. Heureusement pour nous, le combat était livré. Et Christ sur la croix a vaincu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ceux qui se réjouissent de sa victoire, c'est nous. C'est nous qui profitons de la victoire que Christ a remportée sur la croix. Mais ici sur terre, il y aura toujours des problèmes. Tu seras calomnié, tu seras insulté, injurié, haï. Tu vivras tout ce que tu veux. Les gens vont même jusqu'à dire des choses sur toi, des choses fausses. Ils vont les inventer. Ils vont faire en sorte que ces choses deviennent vraies. Quand ils parleront, les gens vont dire, la manière dont il ou elle parle, cette histoire semble être vraie. Mais en réalité, c'est quelque chose que quelqu'un a monté de toutes pièces.
Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit bien. Dieu sait ce qui se passe. Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Heureusement, lui, le juste juge. Il est là pour juger. Mais il juge justement. Il ne va pas dans les sentiments, ni dans les émotions. Quand il faut juger, Dieu juge bien. Alléluia. Le monde voudra à ce que toi tu sois toujours à te dire j'ai fait ci, j'ai fait cela, que tu sois culpabilisé. Le monde veut que tu ne sois pas bien, que dans tes pensées que tu ne penses qu'aux choses qui vont te démoraliser, parce que le monde vit comme ça. Nous avons viennent premièrement des influences humaines. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous allons lire dans le psaume 44, psaume chapitre 44. On va être vite. Psaume 44, le verset 6. Psaume 44, 6, la Bible dit: avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, pardon, je me suis trompé. Oui, par ton nom, nous écrasons ceux qui s'élèvent contre nous. Non, mais attends. Non. Attendez, je vais trouver. Je vais chercher bien parce que là on va risque de passer le temps. Je l'ai fait tellement à la hâte que je me suis trompé de passage. Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui s'élèvent contre nous. Est-ce que tu peux me le chercher? Merci. 44, 6 soir. Voilà, c'est la version. Ouais. Avec toi, nous renversons nos ennemis, voilà. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Et toi, c'est qui? Avec Dieu. Parce que quand les influences, les mauvaises influences humaines viennent contre nous, la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous renversons nos adversaires. C'est la promesse que Dieu nous a donnée pour
pour le triomphe final. Donc ne sois pas dans la peur si jamais tu te trouves en train de vivre des combats. Avec Dieu, tu renverses. Dieu ne parle pas des ennemis, mais pas des adversaires. De ceux qui se mesurent à nous. Nous renversons. J'aimerais te dire que dans ce combat où nous sommes, là où nous sommes en train de nous battre, ce n'est pas nous qui nous battons. C'est Dieu qui est devant nous. Vous savez, quand on dit qu'un pays est en guerre contre un autre, on dit le pays. Quand on parle du pays, on voit toute sa population. Mais en réalité, c'est l'armée qui va. Mais l'armée va combattre au nom de qui? Au nom du peuple. Mais quand on parle du combat d'un État et d'un autre, on parle d'un État comme la Russie et l'Ukraine. Mais les peuples russes sont à la maison. Les autres là sont en train de fuir leur maison pour chercher un abri. C'est l'armée qui se bat au nom du peuple. Ou pour le peuple. Donc, dans les combats où nous sommes, Dieu est en train de combattre pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, le psalmiste dit, nous renversons nos adversaires par ton nom et nous écrasons ceux qui sont contre nous. C'est pourquoi j'aimerais te dire, quand tu as un problème qui t'amène dans un combat profond, sache que tu as un nom. Et une fois que tu cites ce nom, le monde des ténèbres tremble. Ce nom s'appelle Jésus. Le monde des ténèbres n'aime pas entendre ce nom-là. On vient l'arrêter. Il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Ils ont fait une erreur de prononcer son nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. À la gloire de Dieu. Si tu as un combat, tu as un problème qui te dérange, dis à ce problème-là, Jésus a vaincu sur la croix. Donc toi, problème, tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de force. Parce que le nom de Jésus, en lui-même, c'est une force et une puissance. Alléluia. Tu peux combattre de plusieurs manières. La promesse du triomphe final que Dieu veut te donner, il veut donner sur les forces spirituelles du mal. Premièrement, nous avons dit les influences, les mauvaises influences humaines. Mais il y a aussi les forces spirituelles du mal. Vous savez, un jour, j'étais en train de réfléchir et je me posais cette question. Heureusement qu'un homme de Dieu m'a répondu. Est-ce que quand tu sors dehors, quand tu regardes entre le ciel et la terre, est-ce qu'il y a le vide? Ne regarde pas les maisons. Tu es là, tu es là-bas, tu regardes que le ciel. Est-ce que là tu vois quelque chose? Il y a le vide, n'est-ce pas? Et beaucoup pensent qu'il y a un vide. Non! Même là où tu ne vois rien, il y a des présences spirituelles. C'est pourquoi Daniel, quand il était en train de prier, Dieu l'avait déjà répondu. Mais la réponse a été captée par quelqu'un, par des esprits. Entre le ciel et la terre, il y a des esprits. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, entre le ciel et la terre, il n'y a pas de maison. Toi, tu peux penser qu'il n'y a rien. Sache qu'il y a des esprits qui te voient. Entre le ciel et la terre, il y a des êtres que nous ne voyons pas qui sont spirituels. C'est pourquoi tu ne comprendras pas. Tu parles de quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu l'as dit, il n'y avait personne. Personne. Mais la chose n'arrive pas à s'accomplir. Parce que les esprits l'ont pris. C'est pourquoi même avant de sortir
d'ouvrir ta bouche et sortir une parole. Tu dois savoir une chose. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ce ne sont pas que des témoins physiques. Il y a aussi des témoins spirituels. Un jour, je vous avais donné un exemple d'une dame qui a dit à son fils qu'il est dérangé. Va là-bas, qu'on aille même te tamponner. À Lingala, que j'ai traduit. Et l'enfant est sorti. L'enfant était... percuté par une voiture. Et l'enfant est mort. Elle pensait qu'elle disait comme ça. Mais Dieu nous donne une promesse que nous allons triompher au final. Parce que rien ne peut nous vaincre tant que Jésus sera avec nous. Alléluia. Même si tu ne vois pas les combats, tu les as. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te donner plutôt de t'approcher de Dieu, de chercher Dieu, de demeurer en Dieu et de refuser tout ce que le monde te donne. Il n'y a pas de paix dans le monde. Alléluia. Quand j'étais jeune, j'étais avec une fille, une copine. Elle me disait, non, toi tu n'as pas d'argent, moi je ne peux pas continuer avec toi. Mais qu'est-ce que la fille me disait? Moi je vais épouser un homme qui soit comme mon oncle. Hein? Écoutez ce que je vais dire. Je vais épouser un homme qui soit comme mon oncle. Donc son oncle travaillait dans l'office, OFIDA, office des douanes, je crois bien. Il était un cadre, il avait beaucoup d'argent. Il dit, je vais épouser un homme qui soit comme mon oncle. Dans l'apparence, son oncle avait l'argent. Il avait des voitures, des maisons. Ça, c'est la réalité qu'on pouvait voir. Mais il y avait quelque chose dans la vie de son oncle. C'est que son oncle était polygame. Elle ne savait pas. Elle dit, je vais épouser un homme comme mon oncle. Mais elle n'a pas vu l'aspect oncle, hein, polygame. Et au moment où je nous parle, elle est deuxième bureau. Vous voyez ça? Donc, il y a les forces spirituelles du mal qui sont là pour entendre ce que nous disons. Alors fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Tu es en train de combattre. Tu es en train de... Tu es dans une bataille. En fait, je vais seulement te rassurer pour te dire, la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais en étant dans la victoire, fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Dieu nous fait seulement pour la promesse que nous allons vaincre. C'est pourquoi j'avais lu dans Jean 16 où Jésus a dit, prenez courage car j'ai vaincu. Il a vaincu. Et quand il a vaincu, rien n'était laissé. Que ce soit les influences humaines, que ce soit les forces spirituelles du mal, Jésus les avait tout vaincus. Troisième chose, il nous donne la promesse d'une victoire ou de triomphe final sur les afflictions les plus sévère. Romains 8. Rapidement, Romains 8. J'aimerais que tu lises que ces choses puissent entrer en toi. Et quand tu y rentreras à la maison, essaie de voir ce qu'on est en train de dire. Relis les passages. Récoute le message. Cela t'aidera. Romains 8. Rapidement. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Romains 8, 35, la Bible dit ceci. Je vais commencer au verset 34 jusqu'à 35. Écoutez. Qui
les condamnera. Non, je vais au verset 33. Excusez-moi. Je vais vous donner une idée pour partir bien. Verset 33 de Romains 8. Je commence par là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Les combats que le monde spirituel nous envoie, les afflictions, pardon, nous envoie, ce sont des choses que nous désirons avoir, mais que nous n'avons pas. Chaque jour, nous nous disons, ah, je manque telle chose. Affligé parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de travail, j'ai échoué à l'école. Ça dit, tu prends le tout, tu les mets, tu commences à t'affliger. Mais la Bible dit, qui nous condamnera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Écoutez, Jésus a donné sa vie pour ces choses. Il a donné sa vie. Si aujourd'hui tu me disais de donner mon enfant, parce que Jésus c'était un homme, que je donne mon fils, je suis désolé. Tu attendras longtemps. Et tu attendras encore et encore. Des années vont passer, des siècles écoulés. Tu ne verras jamais ça. Mais Dieu a donné Jésus, son fils unique. Il a donné pour toi et moi. Donc tu n'as plus à te dire, ah, je souffre. À te mettre dans des états. Sache que Christ accorde le triomphe final. Que ce soit quand les angoisses viennent, que ce soit quand les tribulations sont là, quand tu as des persécutions, quand tu as la faim, ou que tu manques de quoi te vêtir, ou que même tu sois prêt à mourir, ou quand on te présente une épée pour te tuer. Sache que personne ne t'enlèvera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, qui s'est donné lui-même comme une victime expiatoire pour que toi et moi nous soyons sauvés. Je vais te dire une chose. Quoi qu'il arrive, tu vaincras. Ce n'est pas parce que tu manques X maintenant, que tu manques telle chose aujourd'hui, que ta vie sera demain comme ça. Non. Ce que tu vis aujourd'hui sera pour que tu témoignes de Dieu demain. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce sera pour que demain tu élèves Jésus, que tu parles, qu'il est celui qui agit et qui accomplit de grandes choses. Le triomphe final. Alléluia. Jean 5:4, vite. On n'a plus le temps. 1 Jean 5, verset 4. Avant même que j'arrive là, je vais lire là, rapidement. La tribulation et tout ça là. Au verset, dans Romains, pardon. Je vais revenir un peu en arrière. Au verset 37 de Romains 8, la Bible dit ceci. Quand on a parlé des tribulations, de toute cette angoisse qui ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Christ. Au verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous allons dans 1 Jean 5, verset 4. Tu auras la victoire certainement, ou le triomphe final sur les puissances sataniques. Non, d'abord les puissances, les attraits du monde. La Bible dit ceci, écoutez. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, est-ce que vous y êtes? Tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi ne perds pas ta foi. Parce que la Bible dit ceci: Dieu est le consommateur de notre foi. C'est ça la nourriture de Dieu. Quand Dieu doit se mettre à table, ce qu'il mange, c'est notre foi. Je vais te donner un exemple. Dieu dit à Abraham: va sur la montagne, offre ton fils. Et Dieu précise: ton unique. Si Dieu lui avait dit: sacrifie ton fils, il y a Ismaël, viens ici là. Dis Agar, envoie Israël vite, Ismaël vite là. Allez, viens là. Fini. Mais Dieu lui précise et dit: ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Vous comprenez ça? C'est un enfant qu'il a eu à l'âge avancé. Et l'amour devait être différent d'Ismaël. Et c'était l'enfant de la promesse en plus. C'est lui que tu aimes. Et Dieu lui dit: prends cet enfant, offre-le moi. Abraham, comme j'ai dit: Seigneur, excuse-moi, mais je pense que tu ne me demanderas jamais Joy, parce que ce sera un peu compliqué. Abraham monte avec Isaac. Mais quand ils arrivent au bas de la montagne, il dit aux serviteurs: vous, restez ici. Moi et les petits, nous montons, nous allons adorer, et ensuite nous reviendrons vers vous. Quelle foi! Dieu t'a bien dit: sacrifie ton fils. Et toi, tu dis à tes serviteurs: nous montons adorer et nous reviendrons. C'est ça la foi. Donc Dieu a commencé déjà à manger là. Il est déjà content. Donc Dieu est vraiment. Et comme dessert, Dieu monte avec son fils. Le fils va dire: mais papa, il y a le bois, il y a le feu, où est l'agneau? Papa lui dit: Dieu, c'est pouvoir. Dieu a mangé encore. Et quand Dieu voulait digérer la nourriture et le dessert, il y rajoute encore. Il prend l'enfant, il l'attache. L'enfant était jeune. Il pouvait se rebeller contre son père. Fuir. Mais l'enfant s'est laissé. Papa l'a ligoté, l'a mis sur l'autel. Abraham prend le couteau. Au moment de mettre le couteau sur l'enfant, une voix tomba du ciel: je vois maintenant. Je vois maintenant. Tu as bien mangé. Et Dieu lui dit: ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde derrière. Regarde comme ça. Il voit un animal. La question: est-ce que cet animal était là ou pas? Il était là ou pas? D'après toi. Il n'était pas là? Il n'était pas là? Hein? Comment il n'a pas vu? D'après toi. Il y a des choses que tu verras que par la foi. L'animal était bien là. Mais pour qu'Abraham voie cet animal, il a fallu qu'il puisse donner sa foi comme nourriture à Dieu, pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie l'animal. Dieu lui avait indiqué même la montagne avec précision. Donc si Abraham aurait pris, était monté dans une autre montagne, tuer Isaac. Vous comprenez ça? La foi, c'est ce que tu ne dois jamais perdre. Tu peux perdre l'argent en banque, ce n'est pas un problème. Tu peux perdre ta voiture, ce n'est pas un problème. Tu peux perdre ta télé, je ne sais pas moi, ce n'est pas un problème. Mais garde ta foi, parce que la Bible dit: ta foi,
foi t'amènera beaucoup de choses. Et c'est par la foi que Dieu agira dans ta vie. La foi, c'est ce que tu dois garder. Ne laisse jamais. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ça la victoire. Ne regarde plus ce à quoi tu es en train de passer. C'est pourquoi quelqu'un avait chanté. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu de croire en toi, de garder ma foi en toi, que jamais ma foi ne puisse faillir. Quelles que soient les situations devant moi, tu m'as fait une promesse de triompher, et je sais comme toi tu as vaincu, moi aussi je vais vaincre. Dis à Dieu, garde ma foi de croire ces choses, et que ce que toi tu veux s'accomplisse. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, garde ma foi. Garde ma foi parce que je sais que tu agis toujours. Garde ma foi, notre Dieu. Garde ma foi. Garde ma foi en toi. Que je ne puisse pas regarder les réalités. Que je ne puisse pas regarder ce que je traverse. Mais que je puisse croire en toi. Que ma foi, notre Dieu, soit intacte. Ma foi soit toujours là, gardée pour toi. Parce que toi, tu te nourris de notre foi. Fais en sorte que ma foi reste, notre Dieu. Que je puisse tout perdre, mais que je ne perde pas ma foi en toi. Laisse-moi que je puisse croire en toi, croire en toutes choses, à toutes paroles, à ce que toi tu dis, à ce que tu fais. Que je puisse croire, qu'à chaque moment, je puisse croire, et que je reste notre Dieu. Devant toi comme un enfant, notre Dieu qui espère tout, parce que tu es le véritable Dieu. Ma foi a besoin de toi. Père, ma foi, ma foi, ma foi. De quoi que tu es capable d'opérer de grandes choses, de manifester ta puissance. Donne-moi de garder ma foi. 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 De vivre des choses avec toi. D'expérimenter les puissances avec toi. Parce que tu es mon Dieu, mon Seigneur. Que ma foi ne défaille point. Là où tu m'envoies, que je puisse partir. Là où tu me dis que je n'ai pas parti, que je puisse obéir. Quand tu me dis, tu me diras de me lever, que je me lève. Quand tu me diras de m'asseoir, que je m'asseye. Quand tu me diras de partir, que je parte. Quand tu me diras de revenir, que je revienne, que je revienne. Que je sois notre Dieu, papa. C'est lui qui va exercer ma foi. Pour que je puisse expérimenter les questions avec toi. Garde ma foi intacte. Garde ma foi intacte. Garde ma foi intacte. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu vas dire jamais tu laisseras les problèmes dominer sur toi. Dieu t'a donné d'être le prince plus que vainqueur. Que les problèmes ne puissent pas te submerger. Que les problèmes ne puissent pas te vaincre. Parce que toi, tu as le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Qu'aucun problème ne puisse te mettre par terre. Parce que tu es plus que vainqueur. Élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, je ne veux pas me laisser vaincre. Je ne veux pas me laisser vaincre.
Parce que tu m'as donné la victoire sur la croix. Tu m'as donné la victoire, notre Dieu. Tu as accompli ta volonté, tu t'es manifesté. Tu as accompli ta puissance. Je ne vais pas me laisser abattre. Tout problème que j'ai pris devant moi, notre Dieu, n'est pas plus grand que toi, n'est pas plus fort que toi. Parce que tu es le puissant. 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 Parce que tu es le véritable Dieu. Continue à chanter comme ça. Parce que tu es le véritable Dieu. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce culte, notre Dieu, que tu as voulu qu'il puisse avoir lieu. Merci pour mon frère et ma soeur qui est là en présentiel. Merci pour ceux qui sont, Père éternel, sur Internet, qui nous suivront en différé, pour ce que tu feras dans leur vie. Merci pour l'Église, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Parce que tu es en train d'ouvrir, notre Dieu, de grandes portes pour que nous puissions entrer, notre Dieu, dans la gloire et te témoigner parce que tu es le véritable Dieu. Père, merci pour toutes ces vies. Merci pour nos familles respectives. Merci pour nos activités. Merci pour nos projets. Merci pour tout ce qui nous concerne. Parce que toi, tu es un vrai Dieu. Que toute la gloire soit rendue. Je recommande cette soirée entre tes mains. Notre chemin de retour entre tes mains. Permet que nous puissions nous retrouver encore dimanche en ces lieux pour te louer, toi le seul vrai Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Tu vas répéter après moi. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Rien ne me fera peur. Rien ne me fera peur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassure. Parce que ta houlette et ton bâton. Je suis un vainqueur. Je proclamerai ton nom. Chaque fois que je serai devant un problème. Parce que ton nom est puissant. Je suis un vainqueur. Je changerai les choses dans ma vie. Je suis un vainqueur. Je changerai les choses dans mon entourage. Je suis un vainqueur. Je ne verrai plus les choses comme avant. Je ne penserai plus comme avant. Je ne parlerai plus comme avant. Je n'agirai plus comme avant. Je suis un vainqueur. Et je ferai toute ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Acclamons très fort. Et amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Et vous rentrez à la maison avec des bénédictions. Amen. Soyez joyeux. Amen. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Amen. Ne vous attristez pas. Parce que vous avez Jésus en vous. Amen. Lui qui nous donne la force. Amen. Et votre soirée se passe dans de très bonnes conditions. Amen. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et jusque-là, nous vous disons à bientôt et au revoir.